rapport wa ce qui est yabantu baluma, ce qui est vrai kaituni du futu ya mon moto. Voilà pourquoi on vous là que tu penchais beaucoup plus pour coiffer wa bantu baka. Après un moment mutu o na sali na musala ya suka na salon moko boy, c'était une jeune dame qui venait de Bruxelles. Ayaki ofungo la salon na Lubumbashi. Mais vu qu'elle avait aussi vraiment vision d'aigle, elle avait compris que non, nazana talent moko vraiment exceptionnel. Cette dame-là m'a proposé de venir avec moi ici à Kin. Donc c'est comme ça qu'il a commencé d'abord à Kin. Et là, on a commis à Kin. On a fréquenté ne fût-ce que 3 salons. Et le lot place Naza et Zaneti, 4e salon place présenté. Fabrice Del Dongo, le papou. Je suis de nationalité d'abord congolaise. Je suis le ressortissant du Kassai Central, chef de Kanana. Aujourd'hui, je suis réputé dans la ville de Kinshasa comme étant meilleur coiffeur. Les noms, en tout cas, c'est en train vraiment de partir. Mais la coiffure, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris ici à Kinshasa. Je viens de Kananga. La coiffure, d'abord, c'est un don familial. Un métier que j'ai appris dans la famille. Transformation, Wakumbuka, Luigi Lundula Muntumuluma. Après, Mbouel Muntumuluma Muntumuluma Jeto. Bien que Mujumu tu tout travaille, Mujumu Kala entouré ni bana baba kajime, quand bien Mwaku tu influencé et tout. Wakule Kela vraiment. Souci ou soit amour ou amour du monde tu es ça peut-être bikajilu bia bana baba. Donc au mois de mars je vais totaliser 25 ans dans ma carrière, donc 25 ans là toujours dans la coiffure d'âme sans pour autant peut-être exercer un autre travail. Donc c'est de l'amour d'abord. Autant il a biso quelque batu oyo na Kinshasa oyo ba soutenir yo na avancement ya coiffure na. Bon sinon merci beaucoup madame oya memanga a comme on a isa Chelsea Kasongo na minute aza na Canada place azo landa biso na minute nazo PC d'abord bambou tebele aza mutu moko o ya porter langa un plus peu importe makamoko elikanaka o peut-être na kokaki ko regretter à l'époque na regretta peut-être na moi makamoko boye komela biso na riska liwa na traversa vitre na tika la peut-être na cicatrice ozo mona na elongi tout ça. Na banda qui peut-être s'est lamenté trop sur ça. Mais à un certain moment, ti lelo na lobaka non, c'était juste un moyen ou peut-être en ambassade qui tout s'est séparé naï, mais il y avait des problèmes. On a connu que talent vraiment devant bah téléspectateurs na parce que ça se fait pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce numéro 0 de l'émission Kasaï Talent sur Centre de réflexion pour le développement de l'espace kassaïen en sigle CERDEC Télévision, une émission qui va nous permettre d'élever le savoir-faire kassaïen. Cependant, le Grand Kasaï est un espace qui égorge plusieurs talents dans tous les domaines de la vie. Kasaï Talent va apporter une connaissance et la maîtrise de la culture du Kasaï à tous ses enfants éparpillés dans le monde. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un enfant du Grand Kasaï. Au nom de Fabrice Del Dongo, à qui j'ai dit Weto. Weto, Jonathan. Michel Goku. Toi, sinon, je ne suis pas. Alors, c'est une manière pour moi de vous annoncer que cette émission se déroulera pas seulement en français, c'est en Chiluba, Lingala. Et sans plus tarder, on retourne vers Del Dongo avec la première question. Monsieur Fabrice Del Dongo, nous connaissons tous que vous êtes l'un des meilleurs coiffeurs du pays et cela ne nous empêche pas de connaître plus sur votre vie et sur votre enfance et jusqu'à aujourd'hui. Comment vous êtes évolué? Bon, sinon d'abord, je viens à peine de me présenter, vous venez à peine de me présenter, Fabrice Del Dongo, le papou. Je suis de nationalité d'abord congolaise. Je suis le ressortissant du Kassai Central, chef de Kanana. Aujourd'hui, je suis réputé dans la ville de Kinshasa comme étant meilleur coiffeur. Les noms, en tout cas, c'est en train vraiment de partir. Mais la coiffure, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris ici à Kinshasa. Je viens de Kananga. La coiffure, d'abord, c'est un don familial, un métier que j'ai appris dans la famille. Et à un certain moment, je me suis dit non, je dois aller développer quand même l'art que j'ai. Vu que chez nous, il y a quelque chose qui se passe, ça fait plusieurs années que tout le monde connaît très bien, on n'a pas du courant. Ouais. Après, ça ne m'avait pas permis de développer mon art dans notre province. Et aujourd'hui, je me suis dit, je dois partir dans la ville de Lubumbashi pour quand même apprendre l'utilisation des matériels électriques pour devenir un grand coiffeur un jour. Et aujourd'hui, je suis arrivé. C'est grâce d'abord à mon engagement,
Mais j'ai été d'abord dessus parce que ce n'est pas un métier que je pouvais peut-être développer dans la ville de Lubumbashi ou soit ici à Kin. J'aime d'abord bien ma province, mais vu qu'on n'a pas du courant chez nous, c'est ça ce qui nous a fait quitter d'abord dans notre province pour venir peut-être s'installer ici. Et cela ne nous empêche pas aussi, peut-être qu'un jour on peut aussi apporter un plus dans notre province. Eh oui, Bouti Koyoka, wana izalaki del Dongo Fabrice, wana azali quoi faire mon néné na côté à ba mama. Monsieur Fabrice, un ton bilagoko. Wachini ou du musungula nous dit que ça j'ai un souki lusenga lo ba mama. Wachini ku vumuye na chaque du balumato. Bon, sinon au départ mimpo kumaya bwana no mujumu abianza unjumu mukilana mu famille. Alors mon famille c'est tout le monde va vous pratiquer coiffure d'âme. À l'époque c'était comme distraction pour tout et tout. Mais sans le savoir que un jour nimbilwa mujumu kampa ndu makushala ngenza muvito. Non seulement peut-être quoi kula bwa coiffure homme mais mimpo kutala coiffure d'âme parce que mujumu kala na avantage ya bon. Par rapport à ce qui est Yabantu Baluma, ce qui est vrai, Kaituni, Djufutu, Yamon Mwato. Voilà pourquoi on vous là, que tu penches beaucoup plus pour coiffure à Bantu Bagage. Je suis là, bon, coaching sens. Je suis là, 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 d'abord, je suis là, 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 je en aucun jour, tu te manges comme on a mangé un non, je m'en coupe dérouté. Moi, je m'en dis peut-être beaucoup du comparer. Bah, tu vas dire, tu fais mieux que d'amba, bah, tu le mets, tu cages, tu vas bien qu'il vous parce que nous considérons d'abord moi, je m'en. Donc, moi, je m'en qui n'a pas rapport entre transformation ou akumbuka lui dit l'un de la montre mouluma après moi le monde de la montre moukajeto bien que moi du monde tout travailler ou du moins kala entouré ni bana baba kajme quand bien moi tout influencer tout moi couler que là vraiment souci ou soit amour ou moi du monde tout enza moi quoi en ata peut-être bikajilu bia bana baba kajeto vraiment. Bon, avant de continuer, nous allons prendre quelques réalisations de messieurs Del Dongo Fabrice. J'espère que vous avez fait le bande qui est en train de se faire. Vous avez fait le bande vraiment qui est en train de se merci à Fabrice. Hein? Fabrice, vraiment, na blissida. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait le coup bien. Coupe mieux surtout. Vous avez fait le coup haute.
C'était Fabrice Del Dongo dans ses réalisations. Nous avons vu beaucoup de stars, beaucoup d'artistes et comédiennes, entre autres Aïda et la star ghanéenne, ouais, y a aussi, oui, Afia. Et Jackie Appiah. Monsieur Fabrice Del Dongo, qu'est-ce qui vous motive vraiment dans cette coiffure d'art? Bon, c'est pas quelque chose que je peux dire que la motivation. Ouais. Au départ, il faut d'abord savoir que j'aime bien d'abord mon métier. Mm-hmm. C'est un boulot que j'exerce, c'est un boulot qui me fait vivre ici à Kin. Donc je ne peux pas dire que non, ça me motive peut-être pour tel intérêt ou autre chose, non. C'est juste que c'est mon métier, c'est un travail d'abord que je fais il y a plus ou moins 25 ans. Donc au mois de mars, je vais totaliser 25 ans dans ma carrière. Donc 25 ans là, toujours dans la coiffure d'âme, sans pour autant peut-être exercer un autre travail. Donc c'est de l'amour d'abord.
c'est pas qu'il y en a, peut-être il y a quelque chose qui se passe en dehors de ça. C'est l'amour d'abord du travail. Donc, sans te comprendre bien, monsieur Fabrice, il y a vraiment foufou naé, à Zouakangoukouna, na partie à coiffure, il y a Banabasi. Et depuis Abotamia, Outikoloba, non, il y a Tikala Kosala, Moussala Moussous, il y a Maboko, il y a Kodiko na moi salaire, il y a Ezaraga, Souki, il y a Banabasi. Alors, monsieur Fabrice, tu as expliqué, tu as dit, tu as dit, tu combien de salons ont déjà travaillé? Et puis, pourquoi ont changé? Bon, en tout cas, bas salon na travaillé ça moi et Bélé. Parce que si on a lobby carrière, on na cassé d'abord et pas na biso. Ils ont juste moi distraction pour nanga. Ils ont même salamé au thé qui n'a considéré qu'un jour peut-être je serai appelé, quoi faire qualifié, quoi faire professionnel. Je ne savais, je ne m'attendais même pas à ça. Mais l'air n'a bimi cassé na ke Lubumbashi. À Lubumbashi, mes cas au travail attend à 4 ou 5 salons. 4 ou 5 salons, na mes cas au travail. Alors, après un moment, mutu, oh, na sali na imusala ya suka na salon moko boy. C'était une jeune dame qui venait de Bruxelles, ayaki ofungo la salon na Lubumbashi. Mais vu qu'elle avait aussi vraiment vision d'aigle, elle avait compris que non, nazana talent moko vraiment exceptionnel. Cette dame-là m'a proposé de venir avec moi ici à Kin. Donc c'est comme ça qu'il a commencé d'abord à Kin. Et l'air n'a commis à Kin, n'a fréquenté ne fût-ce que 3 salons. Et le lot place Naza et Zaneti, 4e salon place Nazo, travail. Et fait, il y a qu'on changer bas salon, cela ne veut pas dire peut-être que non, les autres tambola ou soit les autres tambolaté. Ça dépend aussi d'abord, il y a milliers, ça dépend aussi peut-être, il y a cadre aux yeux exercés, ça dépend aussi, il y a évolution Naza Nango. L'air aux hommes, on a quand même que non, aux yeux évolué, aux yeux se retrouvé dans le salon, moko ils ont réquilé. On s'est retrouvé que non, Nazo étouffé d'abord à Arnanga, ce n'est pas. Et là, on a coquille qu'on produire dans le milieu, il y a beau, mieux vaut dans le mélange, dans le milieu, moko boy. Donc, dès que ça, peut-être que non, on a mes cas, qu'on change d'adresse. Mais quand on change d'adresse, surtout, cela n'est pas vraiment toujours suffisant parce qu'un jour, j'ai aussi un projet, il y a que ça, là, et là, on a mon personnel. Donc, c'est juste un peu ça. Donc, monsieur Fabrice Aouti Koloba, awa, à Tamboli, il y a un changement pour Abibana Kinabatouana. C'est juste parce que il y a un peu d'évolution. Ce qui est ici, comme on a un peu, donc, genre, tout le a reculé. À mi-mouni, à niveau, à côté qu'on travaille, on a été. Il faut changer espace, soit à Kendo Luka Salomoro Oyo et correspondre à ma besoin naïe. Pour exemple, Togo Koko Tana Salomoro Boué, Nana Messana Bakatana Suki na Tondese, et puis na Salon na Tondese Ezati. Yo, Ozana maîtrise ya Tondese. Tant Ozo Fandawana, Omonike Ozo a utilisé Tondese te et qu'on influence CPU. Pour jour sous européen sur un mot au rebelle sous comment manipuler en côté y a et permettre monsieur Fabrice à ça la bah changement wana monsieur Fabrice n'a pas ça naïe bah madame Oyami Makiona Kichasa Awa ou Azoki dans Lubumbashi yona yé est-ce que vous continuera toujours na kosolo la to ezalaki moi et loko moko et les kaki pour et permettre yo au longato ezalaki na accord na yé au longato ndingeni tout ça pour ça tout comprendre sur ça parce que écoute, si biso mwanda mbu so to moni muta memio et après aussi au longwe sans pour autant toye ba suite to zan pour sa toye ba et en plus pe wana to profiter mbala moko autant yela biso quelque batu oyo na Kinshasa oyo ba soutenir yo na avancement ya coiffure na bon sinon merci beaucoup madame oya memanga a komo na isa Chelsea Kasongo na minute aza na Canada place azo landa biso na minute nazo pc d'abord bambote belé aza mutu moko o ya porté langa un plus peu importe makamoko elikanaka o peut-être na kokaki ko regretter à l'époque na regretta peut-être na moi makamoko boye komela biso na risque liwa na traversa vitre na tikala peut-être na basicatrice ozo mona na elongi tout ça na bandaki peut-être ko se lamenter trop sur ça mais à un certain moment ti lelo na lobaka non c'était juste un moyen. Oh, peut-être un ambassade qui est aussi séparé, mais il y avait des problèmes. On a compris que les talents vraiment devant bah, téléspectateurs, parce que ce n'est pas vraiment important. Mais dans ma camion, surtout, on a. Et là, on a dit qu'il y a un verrier, et ça caché à ma bête, et ça a toujours bon souvenir. Il y a au moins un moto, à Tiebambo, on a un jeu, Nakin, a une famille à l'époque, à faire déplacer de Lubumbashi vers Kinshasa, Lujenga. Donc, et ça vraiment, moi, souvenir, moko de sa part. Mais, chance n'est pas pour ça qu'on a été.
parce que aujourd'hui il arrive des fois yé moko azonga ce que moto abinga kanga félicita kanga parce que mon araké non évolution est vraiment ya makasi vitesse est vraiment makasi. Alors côté ya moto ya mema kanga madame Chelsea Kasongo en tout cas naza toujours na ba bon souvenir envers yé. Pour na biso pe eza occasion topé sa mama Chelsea Kasongo mbote et si kazwami pambate yende mutu asali po ete talent na biso kasayen ayé bana makasi na mboka oyo ya Kinshasa. Monsieur Fabrice, est-ce que ozana salon na yo moko soki ozana ngo pe sa batu bazola na biso ba coordonner na yo pour ba meka ko localiser ici quoi ça. Bon sinon na minute Fabrice Azad d'abord na salon na emoko personnalité. Fabrice Azad travaille na salon Blissida, un salon connu partout dans la ville de Kinshasa. Donc partout où vous êtes, partout où vous allez toujours entendre parler de salon Blissida. C'est sur 24 au niveau du rail en diagonale de l'Académie des Beaux-Arts chez madame Marie-Claire Bakaji. C'est là où Fabrice travaille au salon Blissida. Pour le salon Blissida, nga moko tan na zoya lelo na moni salon Blissida mususu côté ya météo. Météo ouais. Na moni Blissida voilà. Bon, Blissida. Pour que tu ko pesa moi ba coin oyo ezali pour na batu oyo ezana mutu mo razana masina ako déplacer te pour aya kana na 24. Voilà. Ceux qui ezana ba coin ebele mekata moi ko énumérer yango par pour na ba yeba pendeni na ko zoya. Sinon, salon Blissida est sur 24, là c'est première adresse, sur 24, non loin de l'Académie des Beaux-Arts. Salon Blissida, niveau sur la place où on a. Deuxième salon Blissida, c'est sur magasin, en face du balcon. Vous allez trouver encore un salon de coiffure Blissida. Mais là-bas, ce n'est pas un salon de coiffure, c'est juste une boutique de vente, perruques, tissage, cabello et des produits cosmétiques. Deuxième salon, c'est vers Météo, sur l'avenue Ngouma. Non loin du palais de marbre, c'est là aussi il y a notre troisième adresse, toujours salon Blissida. Alors monsieur Fabrice, dans ce monde de coiffure d'âme, qui est votre idole? Dans le monde de coiffure d'âme, c'est lui que je considère comme mon idole, c'est mon jeune Pato, la personne vraiment qui a façonné Fabrice, un grand coiffeur de tous les temps, mon boss Ferju Ferré, le patron du salon de coiffure Les Jumeaux. C'est en face de la poste et aussi à l'hôtel Memling. Donc c'est celui-là que je considère comme mon idole. Donc c'est la personne qui m'inspire beaucoup et je lui ai toujours considéré comme mon père d'inspiration, Ferju Ferré. Est-ce que vous avez déjà eu à travailler avec lui dans le même salon ou comment? Mais c'est lui qui m'a formé. Formé, oui. Bien sûr, je suis d'abord né coiffeur, oui. Un don familial aussi. Mais après, j'ai appris beaucoup chez lui. C'est la personne qui m'a encadré ici à Kin. Donc, si je comprends bien, la dame vous a appris seulement du Katanga, ouais. Pour vous amener aussi ici à Kin. Donc, ici à Kinshasa. Donc, vous, donc à cette époque-là, aux Alakino, on a maîtrise, on a été vraiment à Oye Bengami, Kosimba, Bablo, on a bon, on a basi, on a bas, pour na Kosala, on a. Et puis, il y a des mutu Alakisiyo, ndenge ya Kosala. Voilà. Donc, c'est la personne qui m'avait encadré lorsque on s'est séparé na. Mon tutoyak na na Lubumbashi les na toujours n'habitude ya ko booster ba blo nanga sur les réseaux sociaux quand même azape mon to akou dey amona ke no ya un talent mais azo zanga blo moko boy. Donc moi et lui nous sommes connus que sur le Facebook nana patron nanga faire je faire to ebana na Facebook amona touche nanga après à faire venir nga na salon na e à présenter nga e pa batou jusqu'à tel point que a préféré na travailler na côté na e les na koma pe na côté na e na zo vraiment temps ya quoi prendre bien que nazala quoi faire mais ba bloko ebele na banda ki ozanga na tia orgueilité parce que bande on a biso ebele toujours surtout bande on a biso ba kasayen c'est ça ce qui nous tue vraiment on les a koni orgueil tout ça mais l'air ozo se retrouver na place mokobo yebi ke intérêt na e en tout cas boukanan mapika mikiti sa yiba maïele pourvu que un jour il ait pour booster donc ils allaient vraiment occasion en or au nga na zoa ka chance ya ko travailler pembe nae et ça moutoumou on a l'obaka qui ils allaient vraiment grâce ya ko travailler pembe nae parce que et belé à quoi faire na kina balé la ka vraiment ba travailler pembe nia boss faire je ferai mais bazoa occasion en a te mais nga l'air na zoa ka occasion en a l'oba non en tout cas ils a occasion mou na koki kola la te il faut na profiter mbala moko donc on a oublié koutou ke nazala déjà quoi faire pour vu que na zonga neti moutaza na école de formation na apprendre pour vu que na développé na travailler comme lui et aujourd'hui ceux qui ont mon inde na zo sala nandenga o salo l'oba toujours la même personne parce que na zoa vraiment yé mobimba et télé melina yé
sale na ya musale lo bel na donc tout de lui naïe. Vraiment non pas elongi tout de lui vraiment na captain ngonde ngwa na peut-être lelo combo ana soki balobeli ferré mm-hmm. Batali Fabrice donc la coiffure c'est toujours la même chose la façon dont il lui coiffe c'est la même façon que Fabrice aussi peut coiffer monsieur Fabrice est-ce que déjà au Bimali Bande en Bokato ba réalisation de nous au salon encore à ona na Kinshasa na Lubumbashi bon ko Bimali Bande en Bokapo nanga eza vraiment nécessaire té parce que plus tozo ça là plus tozo conquérir d'abord Afrique plus tozo travailler net ba grand artiste net ba Jackie Apia ba star baza ebele au Bayara na Congo mais tozo quand même chancelier ba komaka ba tout na kapé nani ya ko sala ngaso non muto ko simbo na muto na eza intel lorsque tozo se retrouver na ba star ya bongo l'air ba star wana bazo sala na ba yepe ko goûter art na biso baké Sangolé réseau Kende, c'est tout comme Fabrice Atikalo Kende Libanda Mbogato, mais je ne pense pas qu'il y ait Kende Lelo Paris, ok, États-Unis, on a eu comme Fabrice, mais Atikalo comme on a dit. Donc Fabrice Del Dongo, le papou, Azabongo, moi, je suis à Grand Kassai, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, mais Fabrice, question où est-ce que le pays n'a perçu ? Et là, on a dit, à l'occasion de qui ? Et Salami était Yona actrice au Yanini Yanini ya Jackie Apia beaucoup tana to ezalaki na occasion nini ah OK en tout cas merci beaucoup d'abord Fabrice Aza coiffeur azo sa coiffeur dame nako bossa na vraiment ko rappeler peut-être ba téléspectateur na bisoté mais Fabrice aussi Aza numéro 1 ya famille maman Olangi. Mm-hmm. Donc bana tout ya mama Olangi partout bazo langan nanga na minute yo ya Sophie, Serketia, Seraxia, Enis, bana na union surtout. Quoi faire na bango principal c'est moi. Vu que Ketia bazana ba relation na ba Jackie Apia parce que Ketia a étudié aussi à Accra, ba yebani baza ba copine. Aza jeune fille moko a se booster pe na ba domaine na ye mususu a organisa kaba conférence na ye na kin a invita kasiko ba star wana ba Jackie Apia kon ba invité d'honneur na ye façon de na kwafaka bango ne na sala ka yesuki l'air ba invité na ye ba ye d'office il faut ngana kwafé bango l'air sko occasion wana et pesa melanga de na kutana na ba Jackie Apia na canal ya mwana ya mama Olangi Ketia yenda sala ki a pesa nga passoa nana e banana ba Jackie Apia. Okutana na Jackie Apia na salon to okenda ki ko coiffé. Non, c'était à l'hôtel, c'était na Rotana. Parce que manifestation na bango ezalaki na Rotana et surtout bazala ba invité d'honneur, ne fallait pas ba se déplacer ba ya salon. Oui. Ba benga toujours nga pe na zui déplacement nga na côté lié na Rotana. Et je me souviens, ce n'était même pas la coiffure. Et ça vraiment bablo moko to ça là ou peut-être un jour ekoki ko servir Afrique mobilement général pourquoi pas le monde entier et ça la ka péric donc na salé la ka chapeau sur place moins d'une heure dans un chapeau on en a la tie na moto azala ka choqué pour na ko comprendre que non na Congo il y a de jeunes talentueux mais toza vraiment en mouvement été pour na ko se faire vendre ndé loko peut-être garda comme bon souvenir jusqu'à présent atinda ka bâtissage na yena sale la e ba péri ke kendaka eza pe appel o nazo lancé surtout et pas ba jeune maman na biso mm-hmm. Ba jeune fille ba oyo baza na kin ba oyo baza chez biso na kananga surtout ba oyo baza éveillé na Kasai central en général et surtout ba oyo baza na habitude ya kokota ba Instagram ba Facebook ba linga ka Jackie Apia. Je rappelle aussi que Jackie Apia, le nom qui est vraiment connu, c'est Mefia ou soit Ciara. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un nom connu chez nous au Kasai. Alors, ceux qui beaucoup tarana ba Instagram, il y a Jackie Apia. Bon, mon araba photo, naie bolu la kaba art naie. Moto asala araba bleu que Jackie Apia, azana mona moto, c'est votre frère. Fabrice Del Dongo, le papa. Nane na zoaka tant nanga ya osala ba périk wana. Mais vu que na Congo d'abord tozo e ba ko valoriser surtout Kasai central, tozoi ba ko valoriser espace Grand Kasai plutôt, tozoi ba ko valoriser d'abord culture na bisoté, moyen siko to se propulser na makamion surtout soit to conquérir monde exaté. Toza vraiment na capacité wana. L'air nazo sa la chapeau, une grande star comme Jackie Apia alati a sepeli nango a continuer ko tinda bâtissage na Congo pourvu que ba salele ba périk. Que ça nous dise quand même quelque chose de bon que non. Tozana talent moko boy, tozana don katina biso mais tozanga peut-être moyen ko développer. Wana bouti koyoka, eza bongo Fabrice, moi na ya Grand Kasai toujours.
oyoki ba réalisation et suki kaka a na kitcha sate mais ezape batu o baza na étranger ba benga kaye batinde la ke ba perique atongela bango asala ba tissage tout et voyageaka donc ni ko lobande ngini ni yomu toza awa o ozo négliger ko Kasai eza na ba talent et belé donc oyuti ko yoka yomoko expérience ya monsieur Del Dongo Fabrice yango to ko senga na bino boye soki oza na problème ya tissage ba soigner perique na yo et puis biloko mususu ya bino bana basinde bo salaka monsieur Fabrice Azawana na salon rappelé bango toujours na salon Blissida bien que toza na trois adresses mais celle adresse au Fabrice Azalaka du lundi au dimanche au samedi eza toujours na 24 na salon Blissida na niveau ya rail donc wana elingi ko lobandenge nini eza adresse ici kabokozo soki bozana posa yemo kwa kwa fe bino monsieur Fabrice ce que tozana posa to yeba eza la rapé visiono un jour au fond la école ya formation pour na coiffure dame to ozaka toujours na posa au travail na sima ya bato ah ok en tout cas merci beaucoup eza vision te yoku to koti déjà makambwisi salemi Fabrice Aouti ko sala académie oyo eza aka ok Eza Académie Moko association pour Asbel on a créé pourvu qu'on a formé ba coiffeur pour na ko sungapé mboka en général. Pourquoi je crée Aka? Aka Eza Académie de coiffure africaine oyo ko salaké ba jeune nyon surtout y Afrique d'abord y a province Nangaï na ville na biso na capitale na grand Kasai na grand Kasai en général ba meka ko profiter yango na bitu ya le lokota la d'abord ndenge mboka na biso zo tambola c'est tout le monde peut-être qui croyait que quand il y aura les changements ya régime Félix et Kabila tout ça peut-être batunyo surtout ba ko travailler aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que c'est tout le monde qui pensait qui croyait peut-être que non on aura des grandes entreprises qui vont entrer peut-être tout bon, ça aujourd'hui ça n'a pas donné alors moi de mon côté je me suis dit je suis jeune en tant que jeune j'aime pas que je sois comme un jeune là qui est en train de parler peut-être mal contre le chef de l'État mal contre le gouvernement mais j'aimerais que je sois un jeune qui va apporter aussi un plus pourquoi pas dans le gouvernement dans le but de signer peut-être un partenariat avec les gouvernements tant les gouvernements nationaux tant que provinciaux surtout la création la création voilà parce que leur toujours s'est retrouvé dans le domaine abisso à coiffure dame et ça vraiment bah entreprise privée au toujours ça les là d'abord bah tout ça là alors dans l'entreprise privée à Batou les autres travaillent pas beaucoup netinga dans autres travaillent dans l'entreprise wana on est plus de 40 employés na plus de 40 employés wana les réseaux nga si mo comprend que non ils a entreprise privée à beaucoup mais les réseaux zoa tant à mesure en mesure il y a qu'égorgé plus de 40 employés donc il y a du sérieux alors avec cette initiative là Fabrice est arrivé maintenant que non un jour je peux créer une académie où il y a qui consonga jeunesse parce que taux de chômage d'abord dans le cannabis est très élevé au lieu de trouver que le baka était que non gouvernement n'est à cause ça la pourvu que l'entreprise est cotée maintenant surtout va se retrouver même dans le domaine nanga au tout ça il y a toujours la possibilité il y a consonga quelques jeunes bah jeunes moko bako mapé indépendant na ba effort na bango bah obando fournir pourvu que bazanga lipa na bango te bazanga moi elo quoi koliate bazanga ta peut-être ya kofute landa kote voilà pourquoi Fabrice a créé connaissance nazanango vraiment égoïste était pourvu que ngamo koka kano naza vraiment ouvert na katia centre wana na katia académie d'abord et là moko peut-être ba tuebele ba bando s'attendre na ngote formation ango e bando pe ça ma gratuitement mais cela ne veut pas dire que Fabrice n'a pas aussi c'est une bonne chose vraiment derrière et loko wana mais Natal na lobi non il faut nasunga mais quand Fabrice est disposé pour na ko encadrer ba tout gratuitement il faut aussi que Fabrice azalana ba sponsor il faut aussi que Fabrice azalana ba partenaire parce que ndé eloko ko sala ke non et sunga siko mouvement wana pourvu que ba jeune ebele bazan na nzela bazo yenga peut-être ba ni sa ke non a pour na bango ko gagner vie eza na poto ndenge na yo kaka batu ebele nga l'air na kende na poto na ozala prêtre non prêtre ezala d'abord et pas na yo soki oza prêtre na mboka na yo et pas na libanda ne ozala prêtre et aussi eza na ba jeune ebele o peut-être ba kanisa ndenge to uta ki obanda débit à émission posa ki nga question moko pour savoir est-ce que
l'air nazo sala coiffure dans mes ana babo mon côté batique mon boyko tindanga na sala côté bashi moi si na ko maneti PD nazo lancer appel wana surtout et pas ba jeune garçon ba jeune fille loin de makambwana ya ki PD parce que ceux qui osent considérer musala na yo musala au mona ke no est important pour na yo ils a musala moko noble musala moko o bisoma o to mi benga d'abord to za ba diplomate l'air un coiffeur azo tambola na chef de l'état aza considéré comme un diplomate alors ils a na ba valeur ebele na kati ya musala wana ndé wana nazo lancer pe appel et pas ba jeune wana batika peut-être ko rêvé vie au mona jeune moko aza na talent moko boy aza na don moko boy mais azo zanga moye ya ko ya ko bimisa yango pourquoi parce que tout ezo kende kaka ko s'aligner na na niveau ya politique il faut nazana sima politicien moko boy c'est bien bon parce que soit to s'intéresser pe pour na politique te politique et ko s'intéresser na biso mais un moment il faut aussi ozonga sima otala bien sûr politique bien sûr bon mais nga jeune kati nanga nazana nini alors na eloko wana ndi wana nazo lancer appel et pas ba jeune obélé bientôt là to ko lancer vraiment inscription ya mouvement AK, toko inscrire et aussi toko recycler parce que ça n'a pas j'aime chose bazo sala musala mais baeli vraiment importance na ngote baeli valeur na ngote mais Fabrice ça m'a mis et loko wana pourvu que na songa nango ba jeune surtout d'abord ba jeune il y a espace Grand Kasaï parce que aujourd'hui si on parle de la RDC eza elo moko vraiment oyo toko ki ko ko marcher ba monter ou du moins n'est tout du moins comment mon province est au fonctionnaire province est tout moins retrouver vraiment trop réquilé mon ping en akunima au lieu on est province avancée mais tout j'ai retrouvé que non tout est ping en akunima avec capacité quand je mets maintenant. Je ne peux pas dire que non, je suis en mesure peut-être à couper des provinces. Non, ah oui. C'est tout le monde qui a les soucis de sa province. Mais moi aussi, je me suis dit, bien que j'ai les soucis de ma province, qu'est-ce que je peux apporter comme un plus dans ma propre province? Voilà pourquoi je pensais à cette création de cette académie, mais il y a la bénéfique pour la jeunesse congolaise en général, mais en particulier d'abord de ma province qui est les Grands Kasaï. Donc si na créé yango espace d'abord Grand Kasaï ba ozala d'abord ba toali boso o ba ko bénéficier na eloko wana soki ba tu ya bonne volonté o ba tu nyo surtout ba zo landa biso place message o ekokutana na bango il faut batala d'abord province na biso ezan na niveau nini il faut batala pe jeunesse ya province na biso baza na niveau nini baza na batala nini mais pourquoi batala wana bazo ko ka ko bimisa yango te ezo sala pe passe na mawa bienzeni mwaji biso njuku meso wa kumona les lututu tangila ma compétition du NZK Madjabu, soi-disant Madjabu, mais province Grand Kasaï kena représenté to en tout cas bidi bituninga la jabikola pourquoi jeunesse a aucun moku bénéficier épanouissement wa bweneo pourquoi jeunesse a ken bien moku de réjouir ni ma programme ya bweneo donc tout monde c'est comme si ni banfumu badi makala bu ba négliger province ou tout mais tout ba jeune parce que l'avenir de la jeunesse de notre d'abord Grand Kasaï c'est nous la jeunesse avec tout ça tokoki ko se réveiller chacun de nous a koki ko apporter toujours un plus même moi ne nous wa ko Kasaï un plus on dit chakun to dit là d'ici là c'est l'encadrement et la formation de la coiffure d'âme professionnelle. Parce que nous, nous avons dit que nous avons dit que mais si un jour bo baba nko akola bo ba grand coiffeur na chez monde entier musukwenza banano bakaba suku recycler ou soit ba recruter ba coiffeur pourquoi pas ko dire référer mon Congo mais précisément mon Grand Kasaï oui. C'est possible parce que même moi ne nous le loue on dit conquérir Kinshasa mujima si ba djuba kola ba coiffeur ba nena muchinsansa en tout cas on ne peut pas aller plus de 500 pour autant que mon nom aussi soit figuré là-bas donc c'est ça vraiment le message que je voulais aussi adresser à mes frères et sœurs qui nous suivent en ce moment donc là c'est une bonne réflexion de la part de monsieur Del Dongo Fabrice qui va de pair avec le centre de réflexion pour le développement de l'espace kasaïen que pilote le coordonnateur Gabi Kamonji et le vice-coordonnateur
père Maître Léon Kalonji et Monsieur Fabrice Del Dongo, le temps presse déjà, veuillez lancer un mot en général pour tous les jeunes qui ignorent d'abord leurs talents et en particulier pour le peuple du Grand Kasaï. Entre autres, comme vous venez de dire que vous avez déjà lancé votre, votre genre centre de formation, mais ça ne se trouve pas dans votre province qui est des grands Kasaï, entre autres, on voit le Sankourou, l'Omami, Kasaï Oriental, Kasaï Central, Kasaï Oriental et le reste. Donc, vous avez un mot à dire. Bon, sinon, moi j'invite toujours la jeunesse à s'inscrire, surtout quand on va lancer vraiment cette inscription-là, parce que ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. Ça sera vraiment bénéfique pour tout le monde. La coiffure d'âme, c'est quelque chose vraiment, un travail qui est vraiment international. Je ne vois pas un coiffeur qui peut se déplacer, peut-être quitter dans notre pays, aller en dehors du pays et aller souffrir. Parce que partout où vous allez toujours trouver les gens qui auront besoin de se faire beau, se faire belle, tout ça. Donc tout ça, ça dépend aussi de la coiffure. Donc j'invite toujours la jeunesse à faire aussi en sorte de développer vraiment leur talent. Non seulement la coiffure d'âme, je peux dire dans la jeunesse, il y a plusieurs talents, mais que nous-mêmes, nous sommes en train de négliger. Essayons seulement de pratiquer aussi, côté à Makamouana, vraiment Liboso, au moins quand même que nous, Makamouana, surtout, et côté Mbola, Malamou. Donc, ma jeune, bâti kako lala, ma jeune, bâti kako rêver, ma jeune, bâti kako finga, ma konziamboka, ma zapé, bâti. Mais d'abord, c'est nous. Les problèmes d'abord c'est nous parce que quand il y a des choses en Babylo Morobo mais bisomo tozo ignoré yango mais ceux qui ont se réveillé ont comprendre qui es-tu, tu vas comprendre que non j'ai aussi à faire, je peux aussi apporter un plus dans le gouvernement ou peut-être toza la na habitude toujours yako critiquer mais il faut que ba que non bisopé toza à mesure yako apporter un plus net il est ceux qui Fabrice Makoki et monani ya organisation ana ekoti. Quand même, j'espère que c'est une façon d'apporter aussi un plus dans notre pays. Merci Fabrice. Il y a une invitation à Bissot et à Mokolo et à Lelo. Et ça n'a pas été soukate. Ceux qui ont un message à passer, les cas où ben Nzela ya Serdec Télévision, Tokoyambayo. Alors, chers jeunes talents du Grand Kasaï, c'est déjà la fin de cette émission. Quand nous Moïto, Kasaï, Udini, Talon, Yabouni, t'es tout bon. Tout bas kasaïen chibi bana betu leke la malue nu ya kuji sokoka we uji boju maya kwenza mujimu ja tula bwashi ke ba muntu aku soutenir na cha bo avancer bo mukale ngani Del Dongo pied Fabrice mutambila mwabeu uju bientôt na tuluka ku Grand Kasaï bo ko ke ba bo mushindo ya kwenza ku kangula ma salon yenda yo bo ko progresser bana bon su baba ke ba bo ba évoluer ku coiffure wa luseko la bamam. Alors restez toujours connectés sur votre chaîne Serdec Télévision et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Kasaï wa balengela, tribe na montu. Kasaï wa balengela, tribe na montu.